le 25 août 1572, hein, en plein milieu des guerres de religion, là, ici, à cet endroit précis, là, ici, il ne s'est rien passé. Il y en a pour tout le monde. François-Xavier Demaison joue les directeurs de théâtre, les bobos en exil ou bien encore les gynécologues italiens. Une véritable galerie de personnages, drôle à souhait. Rencontre. Ah, bonjour. Salut François-Xavier. Ça va bien ? C'est par là ? Mais oui, c'est là, venez. On y va. Voilà, c'est ce qui donne un peu de l'ambiance à une loge, des petits cadeaux qu'on vous fait. Ouais, les mots des amis, voilà, qui vous soutiennent. Une vieille laque de grand-mère. Ma grand-mère avait la même. Bah oui, je sais, la mienne aussi, elle faisait son chignon avec ça. Je vais sur la duche. Les cupins, ils viennent, prends tous la duche. Regardez là, voilà, c'est la duche. Mais il n'y a pas de cupin. Qui c'est qui a coupé la zikmue à papy ? Ça doit être l'infirmière. Elle m'en veut depuis que je l'ai refusée comme amie sur Facebook. Bon alors là, c'est la scène. Hein, quand même, hein. Impressionnant, c'est l'un des plus beaux théâtres de Paris, je crois. Ouais, ouais, vraiment. Buonasera, ciao tutti, ciao tutti. Buonasera, bonsoir, bienvenue à la clinique La Mamma. Quel meilleur nom pour une maternité que La Mamma. Quand j'ai fait une répétition sur scène... Bienvenue au Maroc, bienvenue à Darwalou. La scène me fait moins peur que quand j'ai eu ma journée, que j'arrive comme ça tout de suite sur scène. Ça. C'est une manière aussi de rentrer dans le spectacle. Ben là, petit castor, que fais-tu de sel dans la forêt de conifères? Je m'en suis perdu. L'une des stars, c'est Bitou, évidemment. Oui, Bitou le castor, tout à fait. Je suis seul dans la forêt. On m'avait abandonné mon cochon d'Inde quand j'étais petit. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec tous ces animaux domestiques qui ont disparu. T'es un mec génial. Et Demaison s'évade est à voir ici au Théâtre Édouard VII jusqu'au 5 janvier. Une tournée suivra ensuite en province. Voilà, maintenant c'est gentil. Oui. Hein, voilà. Ah, pardon, je m'en vais. Merci, au revoir.